L'ange numéro 66, Manakel. Il régit du 15 au 19 février. Il est l'ange de la compréhension du bien et du mal. Son énergie nous permet d'intégrer profondément que le mal est éducationnel. Il nous aide à comprendre que la vie est basée sur un code constitué de positif, le plus, et le négatif, le moins. Ainsi, on peut discerner en tout temps ce qui est juste pour prendre les bonnes décisions de vie. Avec cet ange, nous pouvons développer les qualités suivantes. Connaissance du bien et du mal. Transcendance des peurs. Stabilité, confiance. Aide à la création d'une belle vie. Haute moralité. Apaise l'être, guérit les maladies. Amabilité, bonté, bienveillance. Libère le potentiel enfoui dans les profondeurs. Neurotechnologie. Rêve, songe, haute initiation. Réunification des qualités du corps et de l'esprit. Nous pouvons rectifier les faiblesses humaines suivantes. Joue avec les forces négatives, ne comprend pas que le mal attire le mal. Réceptivité aux forces obscures. Instabilité. Manque de foi et de confiance. Tendance suicidaire. Potentiel piégé dans des mémoires négatives. Vieille âme qui ne veut pas changer, paresse. Sentiment de supériorité et d'infériorité. Attitude mégalomane. Manipulateur dangereux et machiavélique est prêt à tout pour arriver à ses fins. Absence de principes et de valeurs altruistes. Perturbation psychique et morale. Recherche des jouissances uniquement matérielles et du prestige social.
Pour une femme, manifestation tardive de sa personnalité. Pour un homme, rencontre tardive avec la femme. Amitié dangereuse. Esprit destructeur, impulsivité. Ne tient pas ses promesses. Refus d'appliquer la connaissance. Usage abusif, mauvais et malveillant de la technologie. Colère envers Dieu, révolte. Nous pouvons l'invoquer dans les situations suivantes. Acné, amabilité, arthrite, arthrose, rhumatisme, calculs rénaux, dents, gencives, maladie incurable, malveillance, refroidissement, rhume, rêve, interprétation des rêves, stabilité, tentation, douce pensée angélique.